Ça serait grave profitable à certains endroits, mais... Il y en a tellement des jeux que je voudrais, mais... On va construire une ferme de l'autre côté. Histoire de récupérer... Votre délégation est la bienvenue, mon ami japonais. Ouais, peut-être que je lui en envoie une, du coup. Avant qu'il me chie sur un... Un jeu avec un nom japonais sur PS1. Ah, Suikoden! Ça fait des années que je cherche un Suikoden qui coûte pas 800 €. Et tu le trouveras pas à pas cher. C'est le problème de jeu en fait. Il est trop coté. Nourriture plus 2, habitation plus 1,5. Auckland. Pour rien de regarder et de marchander. C'est sûr, ça coûte rien. Je veux juste pas que tu te... Juste pas que tu te prennes la tête pour rien, quoi. L'as de l'escroquerie, on m'appelle. Écoute, moi, si tu le trouves pas cher, ça me fait plaisir. Et toi, ça te fera plaisir de marchander. Et ça te fera plaisir de faire plaisir. Du coup, on aura tous beaucoup de plaisir. En parlant de ça, ça fait un moment que j'ai pas vu tes lives de midi. C'était plutôt régulier, une période. Et... Non, on parlait pas du tout de ça, Baka. Mais je sais, mais tu veux que j'introduise comment le sujet, sinon hein? Vas-y, explique-moi. On va avoir du chocolat. On peut marchander un petit peu avec... Avec notre pote. C'est sûr, c'est qu'on fera pas de guerre commune avec lui. Il y a déjà tous les chevaux du monde. Mais est-ce que tu as du chocolat? Est-ce que tu as du chocolat? Oh, oh, oh. Donne-moi ton art. Calmez-vous, il y a trop de plaisir sur ce live. Et j'ai kiki tout dur. Est-ce que tu peux aller là? La mort en avance. Du coup, va voir au milieu s'il n'y a pas quelque chose. Ce qui est contre la nature et contre la raison.
et ce qui est contre la raison, étant absurde, doit être immédiatement rejeté. Libre marché. Le truc avec la science, ça m'intéresse. On a un savant illustre recruté. Qu'est-ce qui nous fait notre savant illustre? Déclenche un Eureka pour la chimie et les technologies aléatoires de l'ère industrielle. C'est cool ça. C'est cool. Eureka! 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 Plus de or pour la banque et les chantiers navals construits. La foi, on s'en fout. On va récupérer Lisbonne. J'en fais plus trop en ce moment. J'ai quelques trucs qui restent sur le feu. Mais c'est cool ça, tout ça, Dara. Oui, le carnaval, tu le fais tous les ans de toute façon. Donc je pensais bien que t'allais le faire encore cette année. Mais une petite formation, des petits projets IRL. Ça s'appelle vivre. Que demande le peuple? Du pain et des jeux! Eh oh, votre gueule, hein, je parle avec Dara. J'en fous de vos trucs. Abonne-toi à la chaîne de Dara. Y'a du lol et pas mal de caca. Après mûre réflexion, Dimitri Mendeleev a décidé de mettre Sundala en disposition de la Hongrie. Hey, salut Laxatif. Bonjour petit homme. Qui est un petit homme? À qui tu crois parler, petit? D'un coup, il n'y a plus de musique, vous savez. La tension. Je vais me faire défoncer par les victoires religieuses. Ah là là. Putain, je suis même plus en tête pour la science, quoi. 34, 33. Ouais, on se tire la moule. Là, tu vois. Ah oui. On va l'agrandir. Le mieux, ce serait de pouvoir récupérer ça en fait. Est-ce qu'on peut agrandir nos cases jusqu'à là? En 200, c'est trop près. Et bien, c'est que si on réunit les villes, on pourrait bloquer aussi un passage là. On aurait tout le nord du. De la zone. Bonus de servidé. Un jour, je m'occuperai de l'église, promis. Je suis tellement pas religion dans civilisation. Ah, il y a Sparte qui est en combat avec le Japon. Allons voir ailleurs si on y est.
Par manque d'électricité, cette ville travaille de façon intermittente. Si nous ne stockons pas suffisamment de ressources, notre civilisation... La pire des politiques consiste à attaquer les cités. Café, café. Tiens, elle marche plus la commande. Tiens, Dara, il a cassé la commande. Ah non, c'est le bot qui est endormi. C'est lui qui a besoin d'un bon café. Dara sait faire un bon café. Il en a même offert deux. Non, c'est bon, tu l'as réveillé. Il a plus besoin de café. J'ai toujours lui que je peux pas utiliser. Vu que j'ai pas de lieu de foi et que je compte pas en fabriquer. Bien sûr qu'on est amis, mon pote. Nous avons des relations amicales avec une civilisation voisine. Nous avons la possibilité de renforcer ce lien en établissant une alliance. Non, 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 les Japonais, ils attaquent tout le monde, non, c'est mort. Consolidé. Mais nos deux... Les Japonais passent leur temps à attaquer la moitié de la planète. Ah, une session de l'ONU. Et non, j'ai dit que je faisais pas la guerre dans cette partie. C'est pas pour m'y mettre tout d'un coup en mode trop lolololo. Je vais aller faire pipi parce que j'ai très envie. Je reviens. La plume n'est peut-être pas plus puissante que l'épée,
Mais la presse typographique est sans doute plus lourde que l'engin de siège. Une poignée de mots peut tout changer. Eh ben, bonne journée mon Daradada, même si t'es peut-être plus là. Je te fais des gros bisous et à tout à l'heure, peut-être, ou pas, on verra. J'imagine pareil pour Alucard. Sans tout le monde me quitte. Y'a personne qui t'aime. Coup de fouet. On est là pour te voir, alors plus vite. Excusez-moi, j'ai aussi fait couler un petit chocolat chaud pour le bac à elle. Parce que bac à sait faire un bon café. Et chocolat, il est doué. Non? Bon, d'accord. J'aurais essayé. Putain, c'est déjà fait voler toutes ses... Elle a dû se faire défoncer par le Jap. Suite à une perte de loyauté, une ville étrangère voisine a proclamé son indépendance et s'est libérée de sa civilisation d'origine. Si nous gagnions sa loyauté ou que nous déployions nos forces armées, nous pourrions la rattacher à notre empire. C'est qui ? Ah, c'est Sparte. Oh, on va surtout pas aller jouer à ça.
La plus grosse mute du continent, c'est Baka! Celui qui partise même avec ses ennemis, c'est Baka! C'est une grosse pute, mais il assume, c'est Baka! Putain, on peut aller nulle part, hein. Putain. Si je construis là, j'ai de la stalpète, du mercure. Et je peux peut-être envisager d'avoir des terres là. On va faire ça, je pense. Oh, ils ont pris la théocratie! Ah, il a fait la pyramide! La pyramide me tentait bien, mais... C'est cool, ça c'est cool, ça c'est cool, c'est cool, ça c'est cool. Vous avez découvert la fumée de l'industrialisation. Est-ce qu'on peut découvrir les parcs en bois? APEC. Je me rappelle, il y avait des ennemis là-haut. On va améliorer un peu la ville. Salut Chilo! Comment tu vas en cette belle matinée? Ça va bien, lol. Là, on devrait pouvoir faire une petite série. Mousquetaire, feu! Oh, bon, 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 bon. Les mousquetaires sont un petit peu cheatés quand même. Et moi aussi je voulais faire le porc, mais je peux pas! Merci Gorgo de dire que je suis impressionnant. Et ça s'est bien passé, ma chichi? C'est tout ce qui compte, après tout.
D'ailleurs, t'en es où avec avec ton job? Je suis en train de me dire que ça fait un moment que je te l'ai pas demandé. Ayant pu observer une économie d'un autre type, je comprends bien mieux aujourd'hui. Ouais, mais moi la foi ça m'intéresse pas. Ah merde! Bah non, faut pas laisser tomber, Chichi. Ah, tu veux essayer de continuer ta formation? Pas une mauvaise idée. Ça me semble même être une très bonne idée. Adepte de la Terre plate? Moi? Sérieusement? Pas c'est possible. Continuez, un pas vers l'autre, vers son rêve. Tout ce qui compte. Ah, tout ce qui peut diffuser un message positif, en général, c'est cool, quoi.
Je pourrais récupérer des moutons, des ressources. Alors. Putain, 920 pour des cons. Oui, et tout ça en étant malade. Voilà. Chichi super héros en plus. Têtu surtout. Je comprends. Pas que je rencontre Erevan un jour quand même. Personne, ou tout du moins personne de sensé, ne se lance dans une guerre sans d'abord avoir une idée précise de l'objectif qu'il compte. Mais tu rêves là. Ah non, c'est mort. Vivement les vacances. Voilà, voilà.
Je dois attendre avril pour une semaine. Moi, mes prochaines vacances, c'est en mai. J'ai profité des ponts pour me prendre presque une semaine, je crois. Presque. C'est qui ça? Ah donc du stream de qualité. Je sais pas ce qu'on fera, mais j'avoue. Mais il y aura du stream, ça c'est sûr. Ouais. De toute façon, il y a toujours du stream sur Bacal Live. Hein. Que vous aimiez, que vous aimiez pas, ça c'est autre chose, mais toujours du stream. D'ailleurs, à la fin de la semaine, là, il y a du Sekiro qui arrive. Et faut aussi qu'on essaye de finir la sorcière, mais putain, je suis arrivé sur un pic de difficulté. Je vois pas comment on va la tuer, l'autre sorcière. J'avoue, c'est tendu du slip, quoi. Bien sûr. Pousse l'âme à regarder vers le ciel et nous mène. Putain, mon clavier qui bloque sur civilisation. Ah putain, c'est qui s'est installé là? Les Incas? Eh merde. Ah, ils ont énormément de faveurs diplomatiques. Grave classe la façon dont ça a construit la ville, quoi. Toutes les autres terres situées sur le versant occidental de la frontière appartiendront au roi et à la reine de Castille, puis à leurs successeurs. Putain, ça fait du bien. Petite cité italienne. À part Sekiro, il y a d'autres jeux. Alors, je vais garder la sorcière 2. Inkakuna urkukuna kamachinin michaita. Rikuchiwanki amautapunin kanki. Pas de souci. Je vais garder la sorcière 2 pour plus tard dans l'année, histoire de pas toujours faire le même jeu. Et il y a une chier d'autres jeux que je veux faire. Hein. C'est sûr. Par contre, lequel je vais faire juste après Sekiro, je sais pas trop. Je pensais faire Metro. Metro qu'un ami que j'aime bien m'a offert. Et j'ai envie. Ça fait un moment d'ailleurs que j'ai envie de l'essayer, mais je savais pas trop. Je savais pas trop si je le faisais ou pas, et du coup on me l'a offert, donc je pense que je vais le faire vraiment
Mais pas le dernier métro, hein, le tout premier. Hein. Du coup, voilà. Je pense qu'on fera ça. Et après métro, on verra. Là, on va faire métro. Ça me fait un peu chier, je voulais récupérer la soie. On aura que le mercure et le salpêtre. C'est pas grave. Non, en fait, tu vas rester par là. Pour de défendre notre nouvelle colonie. Quoi? Ah, va falloir en donner plus, hein, moi je te le dis. Hein.